Allons au-devant du passe-canteur. Nous lui servirons d'escorte pour l'arrivée aux Jeux sportifs. Passe-canteur, nous survolons les montagnes du Misieland. Nous atterrirons dans une heure. Laissez ce colonne de Canton venir aux Jeux sportifs. Ah, jamais. Il n'est pas né celui qui se mettra en travers du sultan Romur. Tu vas chasser du Birkema Bakra à Canton, mais tu n'arriveras pas au grand jeu du Missionnant. Cet orage électrique n'est pas normal. Nelson, donne les commandes à Samy. Vite, les amis, allons sauver le passe-canteur et Ophélia. Yep. Yep. Bonne chance, les kangous. Cette histoire, j'étais certain d'avoir vu quelqu'un s'échapper, moi. Vous retenez-moi ou je vais faire un malheur. Ici Roy Walter, votre speaker vedette de LW1 qui s'apprête à accueillir, avec tous les honneurs qu'on leur doit, la délégation du Virtuma Bakra conduite par le prince Canton et la jolie princesse Ophelia. Rappelons que si le prince et la princesse arrivent en retard au jeu, c'est parce que malheureusement, leur avion a été pris dans un terrible orage magnétique. Mais il y a eu plus de peur que de mal, grâce, paraît-il, aux kangous qui ont volé à leur secours. Oh, les voilà, plus jeunes et plus beaux que jamais, qui se dirigent vers la voiture, les menant vers le village sportif. On va avoir lieu dans quelques instants la conférence de presse que leurs altesses très sérénissimes ont bien voulu nous accorder. Jamais, Roxana, jamais je n'accepterai la présence de Canton au jeu. J'en fais une question personnelle. J'ai perdu le Birtuma Bakra à cause de lui. Une grenade et boum. Tu viens de rater ton coup, Robur. Aidons un peu d'imagination maintenant, hein. Envoie-lui donc des fleurs. Pensez-vous, monseigneur, que les grands jeux sportifs soient la place d'un prince? Je pense au contraire que de nos jours, un prince doit participer comme n'importe quel citoyen à la vie quotidienne de son pays. Princesse Ophélia, on dit que vous êtes la meilleure nageuse du monde, vrai ou faux? Oh, eh bien, je... Oui, paraît-il, mais sait-on jamais s'il y a de grandes championnes de notre... Vive le passe-partout! Oh, vive la princesse Ophélia! Toche! Récup... Oh. Félicitations, Napo, tu es au moins 10 mètres devant moi. Ouf! Curieux orage magnétique. Et bouquet truqué, bizarre comme c'est bizarre. Oh, malédiction! Un grave incident au grand jeu! Un bouquet maléfique! Napo, n'écoutant que son courage, a évité le pire! Ici Roy Walter, qui vous parle en direct du Misieland. Un gros plan sur notre sauveur! Bravo, Napo, bravissimo, bravo! Ne craignez pas, madame, monseigneur, que ce bouquet de fleurs au parfum amer ne vous ait été destiné. Si oui, renoncez-vous aux jeux sportifs? En aucun cas, monsieur Walter. La compétition passe avant tout. Il y aura, hélas, dans le monde toujours des fanatiques. Et ce genre de menace ne nous intimide pas du tout, bien au contraire. Nous ne ferons aucun autre commentaire, sinon pour remercier de tout notre cœur nos grands amis les kangous. Et particulièrement Napo, qui grâce à sa bravoure et à sa témérité, nous a sauvés du pire. J'ai fait ce que j'ai pu, Prince-Cantor. Voyez-vous, des fleurs qui font tic-tac, ça se voit pas souvent. Rassure-toi, ma sultane, j'ai d'autres tours dans mon sac. Yappa, quelle journée! On ne peut pas laisser Cantor et Ophélia comme ça. Cette nuit, il faut neutraliser leur ennemi une bonne fois pour toutes. Et tiens! En tout cas, pour une fois... Ça ne peut pas être Mister D. Il est parti pour affaires deux jours à Danger City. Au secours! Au secours! À l'aide, à moi! C'est la princesse Ophélia! Vite, vite, ça recommence! Allez, allez, allez. Oh, yeah.
princesse Ophélia, ne dites pas un mot. Surtout ne criez pas. Ne craignez rien. Nous allons tenter de désamorcer ce méchant robot. Nelson, c'est pour toi. Qui m'avait sauvé la vie. Oh, Altesse, c'était Estra, vraiment la moindre des choses. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tout ça ne me dit rien qui vaille. Je passe à l'attaque. On a déjà fouillé partout et on a fait chou blanc. Pourquoi ce gymnase, Kevin? C'est le dernier. Après, on arrête de chercher. Allons-y pour le dernier. Je ne me suis pas trompé. Dans moins d'une heure, les perches de la compétition du saut en hauteur seront disposées ici. En cachant cette mini-caméra dans les lieux, nous saurons demain à l'aube celui ou celle qui veut du mal au prince Cantor. Et tu crois que leur ennemi risquerait de s'introduire ici pour saboter le matériel? Avec un tel esprit infernal, Nelson, je crois que tous les coups sont permis. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle appartienne à ceux qui veulent du mal à Cantor. Tu vois que j'avais raison de fouiller tout le village sportif. Et on n'arrête pas le progrès. Ma Roxana, cette fois ma vengeance sera implacable. Ce sera vraiment la déchéance du misérable Cantor et la victoire du sultan Robur. Et pourquoi pas de Roxana, mon sultan? Oh. Prince Cantor, plus dure sera la chute. Il faudra ensuite songer à s'occuper de cette peste d'Ophélia. Pour ça, ma Roxana, je peux compter sur toi. Ah, les immondes individus. Saboter le matériel des sportifs. Mes amis, nous ne pouvons pas laisser passer une chose pareille. Tu as raison, Kevin. Pour leur ôter l'envie de recommencer, je ne vois rien d'autre à faire que ceci. Échange de bons procédés. Ce qui était pour Cantor ira à cet infâme Robur. Ce n'est que justice. Encore et toujours, Roy Walter, votre speaker préféré de SW1, qui va aujourd'hui vous commenter la nouvelle épreuve de saut à la perche à laquelle assiste sa très gracieuse majesté, la reine du Misialand. Et voici nos candidats, le comte Janus qui représente l'Atlantide, l'ex-sultan Robur, le plus petit pays du monde, j'ai nommé Nefrosita. Arnold, l'un des petits hommes de Westland. Archie, pour la Sierra Kangoo. Et enfin son Altesse, le prince Cantor, pour le Virtua Bacra. Et voici le comte Janus qui va tenter de franchir la barre des 6 mètres. Le jeu de jambes du comte Janus n'avait rien d'académique et son saut manquait singulièrement d'envolée. L'Atlantide n'est vraiment pas à l'honneur aujourd'hui. Mais le sport, c'est le sport. Janus disqualifié. Voyons ce que nous réserve Archie de la Sierra Kangoo. Rappelons le remarquable courage des Kangoo qui ont sauvé les vies du prince Cantor et de la princesse Ophélia. Oh oui, super passage d'Archie qui nous surprendra toujours et que l'on applaudit bien fort. Ah, voici Arnold, le petit homme de Westland dont on m'a vanté la souplesse, la rapidité et le self-control. Andy Westland, bravo le petit homme. Il est vraiment sensationnel, à part sans doute une légère faute dans la descente au tapis. Oui, alors à présent, voici Robur, l'ex-sultan qui n'a pas dans le public que des amis. Oh, mais c'est une honte! Oh, c'est du sabotage, une cabale! Une perche truquée! Si je me plaindrai, je me plaindrai! Que d'amertume et de fiel!
Voici maintenant celui que ses admiratrices, et elles sont nombreuses, surnomment le Petit Prince. Il s'avance sous les acclamations de notre cher public du Misialand. C'est la Ola, miracle du charisme, miracle de la célébrité, miracle des jeux sportifs. Bravo, bravo pour le jeune prince cantant. Vive le circuit d'embarquement. Quelle minute historique, quel suspense atroce. Le prince va tenter de passer les 7 mètres. Il s'est gagné. 7 mètres de record du monde est battu. Et voici que le prince Cantor monte sur le podium avec deux de ses autres concurrents. La médaille de bronze est attribuée à Archie, l'argent à Arnold et l'or au prince Cantor. Oh, Baruch Sana, tout ça c'est trucage et compagnie, des fausses valeurs, fausses victoires. Quand je pense au mal que je me donne pour faire perdre Cantor, c'est à vous dégoûter. Allons, courage, ne t'inquiète pas, mon sultan. Toi et moi, nous sommes infatigables. De la part de Sa Majesté la Reine du Misialand pour les Kangos. Ah, merci beaucoup, mon petit. Sa Majesté la Reine du Misialand invite les Kangos à boire le verre de l'amitié pour fêter la victoire du prince Cantor. Ah. Et encourager ses concurrentes et les profs de natation, dont font partie ma Tiffany et la princesse Ophélia. Ainsi que la Reine du Misialand en version. Oh là là, tout ça, c'est excessivement flatteur. Excessivement, Junior. Non, ça renifle la fausse invitation, les amis. Avant la réception, Kevin et moi, nous irons faire un petit saut là-bas. Voilà. Si tu ne me retiens pas, je fais un malheur, Napo. Chut. Oh, ma Roxana, on est vraiment les plus forts. Grâce à ces gouttes miracles, tes concurrentes vont toutes couler comme des pierres. Tu ne crois pas qu'ils vont tous se méfier, Robur? Tous ces Kangos, en ne voyant pas la reine du Misialand à une réception qu'elle donne soi-disant en personne? Ne t'en fais donc pas, ma sultane. Ces gens-là, c'est Picassier et compagnie. Je crois, Maroxana, que nos invités sont en train d'arriver. Allons vite, comme il se doit, les accueillir. Comme tu as dit, il sera fait, soleil de minuit. Tu vois ce qu'il nous reste à faire, Kevin? Leur faire payer leur ignominie, verser le contenu des verres bleus dans les verres rouges. En d'autres termes, voilà le voleur volé. Dépêche-toi, Kevin, ils arrivent. Un dernier verre. Et Voilà. Nous sommes navrés, prince Cantor, mais Sa Majesté la Reine n'est pas encore arrivée. C'est étrange. Sa Majesté est habituellement d'une ponctualité exemplaire. Pour vous faire patienter, cher prince Ophélia, puis-je me permettre de vous offrir un rafraîchissement? Moi, oh, j'ai très soif. Et moi encore plus, astre du crépuscule. J'ai l'impression que le petit échange de verre a été très efficace pour Robur et ses acolytes dorment très bien. Je le crois aussi. En direct du Misialand, Roy Walter, votre speaker vedette, vous annonce la première épreuve de natation féminine. Concourant pour le 100 mètres nage libre, nous avons Mademoiselle Vipera qui représente Danger City. Elle m'a l'air, je dois l'avouer, vraiment très fatiguée. On l'applaudit bien fort quand même. L'ex-sultane Roxana, un peu endormie elle aussi, représente Nevrosita. Et en pleine forme Tiffany, la Sierra Kangoo. Et la princesse Ophélia, plus rayonnante que jamais, le Virtuma Batra. Et notre auguste reine, le Misialand. Majesté, Altesse, Mademoiselle, à vos marques, prête, partez. Oh!
Mais quel suspense trépidant! Tiffany est pour l'instant largement première, suivie par la princesse Ophélia, qui nage comme une vraie gazelle. Quant à notre royale souveraine, elle lutte follement pour rattraper son retard. Vipiera et Roxana, toujours bonne dernière, n'ont pas l'air dans leur assiette aujourd'hui. On ne peut pas laisser gagner ces trois péronnelles, Vipiera. Secoue-moi un peu. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros poisson? Je ne veux pas qu'elle gagne! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Mais qu'est-ce qui se passe? La victoire est en train de nous passer sous le nez, Vipiera! Et c'est gagné! La médaille d'or est attribuée à la princesse Ophélia. Que d'acclamations sincères! Comme elle est aimée, médaille d'argent pour Tiffany, qui semble aussi très heureuse! Princesse de bronze pour notre bonne reine du Musialand, qui s'est donné vraiment beaucoup de mal. Un formidable remarquable! Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais que se passe-t-il, Rebu? Vous m'aviez dit de ne pas boire les verres bleus? Oh, les bleus, les rouges, je ne sais plus. C'est la prochaine épreuve qu'il s'agit de ne pas manquer. Empoisonnés, les kangous nous ont tous empoisonnés. On pourrait les faire renvoyer des jeux, leur retirer leur médaille d'or. C'est ça qu'ils mériteraient pour avoir changé nos verres de place et de couleur. Si mon oncle Mr. Odie n'était pas en week-end, il leur aurait tenu la dragée haute, croyez-moi. Votre oncle, vous me cassez les pieds, Vipiera, avec votre oncle. Moi, je n'y suis pour rien dans tout ça. C'est votre faute, et voilà tout. Oh, soyez polis, comte Janus, je vous en prie. Restons solidaires, mes amis. La prochaine épreuve, celle du skiff, l'aviron, si vous voyez ce que je veux dire. Le prince courra à pic, comme ce maudit Nelson. Facile à dire, Robin. Mais réalisable, ma Roxana. Et voici Roy Walter, votre speaker préféré, qui en direct des Jeux sportifs du Musialand va commenter pour vous l'épreuve de skiff. Celui que l'on surnomme déjà le petit prince des Jeux, Cantor, va-t-il remporter sa seconde médaille d'or? Quant à Robur et le prince Janus, espérons qu'ils vont se rattraper de leur défaite à la perte. Nelson défend la Sierra Kong, alors qu'un des titans prend place. Attention. Admirable maîtrise de l'ex-sultan qui semble cette fois-ci bien décidé à remporter la victoire. Le comte Janus lui aussi serre les dents. Quant au jeune prince, mais que voix ! On dirait qu'il a bien du mal à avancer. Que se passe-t-il ? Nelson largement dernier paraît consterné. Que se passe-t-il, prince Cantor ? Je n'arrive pas à avancer. C'est comme si j'étais retenu au fond. Un nouveau traquenard. Mais que se passe-t-il ? Nelson abandonne son ski. Personne ne comprend ce qui arrive. Ah, le prince qui semble avoir des ailes fait popper son palais skiff à une vitesse qui fait... Oh, il dépasse l'ex-sultan et le comte Janus qui d'ailleurs court vite, vite. Tandis que Nelson semble abandonner la partie. Oh, Cantor a gagné. Une médaille d'or pour le jeune prince du Virtuma Vaxra. En tant que reine du Musialand, je suis heureuse et fière, cher prince Cantor, de vous remettre votre seconde médaille de platine. De diamant, enfin, et la plus jolie. Merci, Majesté. Ces médailles, je les partage avec mes amis, les kangous, qui, depuis notre arrivée aux Jeux sportifs, nous ont, la princesse Ophélia et moi-même, soutenus de leur amitié et de leur chaleur. Oh, toujours à la peine, jamais à l'honneur. Enfin, tout est bien qui finit bien. Tu n'as pas gagné, Nelson, mais le prince et la princesse restent aux Jeux sportifs. La loi du sport a été défendue et c'est le principal. Tu as tout volé à tes pommes d'habitude. Je t'aurais pas me parler sur le temps. Oh, maestra. En effet, Junior. Oh, tu es vraiment trop cloche, mon pauvre Robin. Mais j'ai fait ce que j'ai pu, ma sultane. Alors tu peux exsultant à la noix. Allons, allons, mes chers amis, du calme, ce n'est que partie remise. Mon oncle revient, il aura des idées. Vipiera a raison, ma chère Roxana, calmez-vous. Non, oh, comme j'aurais voulu que l'avion du prince et de cette gourde d'Ophélia tombe vraiment dans les montagnes du Musialand. Si seulement on avait réussi cet orage magnétique avec ta satanée antenne, Robur. Mais non, raté, toujours raté, encore raté. Allez, les amis,
Venez avec moi, ils viennent de me donner une idée. Alors, c'est pas celle-là, mais c'est peut-être celle-ci. Mes amis, rira bien qui rira le dernier. La leçon doit être rude. Je crois avoir compris le mécanisme. Moi aussi. Alors, allons-y. Quand je pense que nous rayons sur un pays grand comme un placard et que tu n'arrives à rien pour chasser le prince Cantor. Ne dramatisons pas, Maroxana, ne dramatisons pas. Yeah.